Nous retrouvons nos invités pour la suite de ces débats avant de parler du Burkina Faso et de cette tentative présumée de coup d'État. Nous continuons avec le Cameroun, plusieurs blessés dans des échanges de tirs dans l'ouest du pays. Alors Constant Lemou, tout à l'heure, Russe Donkovi donnait l'exemple de la Volta-Régine au Ghana. Et il pense que c'est la même chose qui se reproduit au Cameroun. Vous aussi, vous pensez cela? Bien, un peu de différence. Au niveau du Togo, la Volta-Régine, qui appartenait au Togo britannique, au Togo allemand, a été rattachée au Ghana. Le régime ghanéen estimant que tôt ou tard, la partie est devrait revenir au Togo pour que le Togo retrouve le territoire de l'époque coloniale allemande, a un peu négligé le développement des infrastructures dans la Volta-Régine. C'est-à-dire, il aurait dû avoir un nouveau référendum au bout de 50 ans. Bien sûr, devrait avoir un autre référendum selon les accords avant les indépendances. Mais au niveau du Cameroun, après que les indépendances ont été, ou du moins au moment des indépendances, la partie Ambazonie a décidé son rattachement au Cameroun français. Sauf que le régime politique installé au Cameroun a négligé la partie anglophone, la partie donc qui était sous tutelle anglaise. Hein, beaucoup d'écoles, beaucoup de zones sont sans école. Les populations ne sont pas promues comme dans la partie francophone. Mais on a eu des politiques de renom dans la partie anglophone. John Frondi, par exemple, c'est vrai que c'était John le chef Frondi, de l'opposition. Ouais. Mais l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a? C'est justement ce qui a créé le mécontentement. Hein? John Frondi est connu pour son opposition parce que la partie d'où il est issu est complètement négligée. Et pourtant, beaucoup de ressources sont exploitées et utilisées pour le développement de la partie francophone du Cameroun. Il y a toutes les raisons et tous les agrégats nécessaires pour révolter la partie anglophone du Cameroun. Voilà à peu près ce qui crée de la frustration, de la révolte qui s'exprime aujourd'hui par les armes de sécessionnistes. Et cette situation ne risque pas de durcir la position si on peut le dire, de Douala? Au fait, Yaoundé n'a pas intérêt à durcir sa population parce que la rébellion est déjà née, elle existe sur le terrain. Et même le pouvoir de Douala a très peu la même mise sur cette zone que nous appelons Ambazonie. Très peu. Depuis 2017, par exemple, les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées, c'est récemment que le leader a rappelé que les classes commencent pour ces écoles. Le pouvoir central, ou du moins le pouvoir de Yaoundé, s'il avait véritablement la main mise sur l'ensemble du Cameroun, n'aurait pas accepté que les écoles soient fermées pour ces enfants. Alors, je dis, le pouvoir de Biya n'a pas du tout intérêt, à durcir sa position, mais plutôt évoluer dans les discussions, dans les propositions, pour voir quels sont les fondements de cette révolte, quel problème peut être résolu politiquement. Est-ce que si on ne peut pas aller directement à l'autodétermination de l'Ambazonie, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une période transitoire qui passe nécessairement par le fédéralisme, revenir au fédéralisme et permettre soit l'intégration effective de toutes les zones camerounaises en un Cameroun véritablement unifié, ou permettre aux peuples qui veulent évoluer, ou du moins c'est la zone, l'Ambazonie qui veut être un pays indépendant, de le faire. C'est un droit des peuples. Les Nations Unies reconnaissent quand même que les peuples qui le désirent ont le droit de demander leur autodétermination. Maintenant que toutes les preuves sont là
tous les faits sont là, que c'est une zone négligée, mais riche, exploitée, et les populations ne profitent pas de ces ressources, il y a lieu que ces populations se révoltent et demandent à être indépendantes ou du moins à être écoutées et que leurs ressources leur profitent pour leur épanouissement. Comme Ima Yaba, ce qui est important aujourd'hui, c'est tout faire pour assurer la sécurité de ces athlètes qui sont au Cameroun. Ah oui, bon, je crois que pour la sécurité, je crois que l'autorité devait en principe y penser depuis parce qu'on connaissait l'insécurité qui devait régner dans cette zone. Mais ici, il faut faire remarquer aussi que la situation qui prévaut actuellement dans cette région-là, c'est similaire, puisque c'est lié justement à la colonisation. Parce que quand on parle de la zone de nord qui est partagée, souvenez-vous vous-même, quand vous prenez la péninsule de Bakassi, qui entre-temps, il y avait eu des problèmes énormes avec le Nigeria, où c'était une péninsule qui était riche, qui était convoitée par les deux pays. Donc aujourd'hui, je pense que la réalité des Camerounais n'était pas quand même approuvée par cette division-là. Parce que quand vous voyez la colonisation, le colon, quand il arrive, il ne regarde pas les réalités africaines. C'est fait selon ce qu'eux, ils pensent. Donc, ce problème-là, on le vit actuellement au Togo. Chez moi, vers le nord, il y a un temps un problème comme ça qui est survenu. Mais on a même dû alerter le ministre de l'administration territoriale pour trouver solution parce qu'il y a un marché qui est frontalier au Bénin et qui, à un moment donné, se réclamait du Togo. Donc, le problème était né comment? C'est-à-dire que les autorités locales s'étaient entendues parce que les rumeurs couraient de dans tous les sens, comme quoi il y aura une nouvelle délimitation de la zone, et donc ce marché serait rattaché au Togo. Voilà, donc, de rien, ça a pris comme ça, et les choses sont allées vite. Donc, il a fallu que l'autorité, quand même, revienne maintenant à la charge, prendre le problème, le temporiser et le mettre en veille. Parce que tant qu'on le laisse, il va surgir. Donc, il faut toujours, quand il y a des petits problèmes, le problème, c'est l'encaissement de ces problèmes. Qu'on prend, qu'on met, comme on fait comme si rien n'était. C'est qui prend, qui embrase. Donc, c'est pourquoi nous disons que pour parler de la sécurisation, il va falloir peut-être, comme l'a dit les constants dans tout, qu'il faut avoir une table de discussion. Puisque l'autodétermination, par exemple, aujourd'hui, c'est reconnu. Parce que les peuples peuvent quand même se dire, ah, comme nous sommes lésés, nous sommes ceci, on veut être indépendant. Et donc, c'est dans ce sens qu'en principe, et le Cameroun, le président, que les autorités camerounaises devaient penser à ce problème-là depuis longtemps. Parce que cette zone, même si on arrivait à être indépendant, cette indépendante, elle devait prendre son indépendance, on parlerait d'un État dans un État. Et donc, c'est ça qui crée véritablement le problème et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce problème. Mais on peut trouver une solution. Alors, ce sujet. Il faut que, tout à l'heure, tu posais la question de savoir si Douala pouvait durcir sa position. Et le problème avec Douala, c'est que Douala ne peut pas durcir sa position en singeant, par exemple, sur le modèle des autres. Lorsque vous prenez, par exemple, la France, c'est le royaume de France qui est devenu l'État français. Vous allez aux États-Unis, il s'agit d'un pays qui a conquis une portion de territoire pour devenir les États-Unis et qui a instauré des États pour faire du fédéralisme. Vous avez la Chine, c'est la même chose. Vous avez le royaume d'Iran avant l'État d'Iran. Vous avez le royaume du Myanmar avant la République du Myanmar, et ainsi de suite. En Afrique, c'est différent. En Afrique, on a cassé les structures traditionnelles pour forcer des communautés à vivre ensemble. Donc le premier défi de la nation lorsqu'elle émerge, lorsqu'elle acquiert son indépendance, c'est justement de construire de façon subliminale le concept de nation. Parce que, en réalité, pour pouvoir exploiter les peuples, ce que le colon a fait, c'est que quand il a découpé administrativement le territoire africain, il s'est arrangé pour couper les nations africaines en deux ou en trois parties. Ouais. Donc, le défi qu'il y a au niveau de l'État, c'est de faire en sorte que la population bien particulière qui existe au sein de la nation se sente appartenir à la nation. Parce qu'en réalité, elle peut réclamer une autre appartenance. Ouais. Et c'est là où on a par exemple, de la population du Bénin, comme il a cité tout à l'heure, qui peut estimer que nous avons une population frère qui est au-delà de la frontière, et que la frontière, en réalité, ne nous concerne pas, puisqu'elle a été imposée. Elle ne fait pas partie de notre construction. Ou bien, comme vous avez eu un moment au niveau de Badou,
des gens qui vont s'énerver et vont mettre le drapeau ghanéen parce qu'ils vont estimer que, étant lésés, si. Mais en réalité, de façon ethnologique, de façon rituelle, elles se sentent plus proches des personnes du Ghana. Donc, par conséquent, pourquoi respecter une frontière qui ne nous avantage pas ? Donc, le défi des États africains, c'est de solidifier le tout ce qui est subliminal et qui contribue à la conception d'une nation forte. Et même parfois, les gens vont plus loin. Briser les frontières et rétablir maintenant les populations dans leur richesse séculaire. Allez, on va quitter Yaoundé pour Ouagadougou au Burkina Faso. Le ministre des Armées, Aimé Barthélémy Sempouré, est sorti de son silence pour donner des informations sur la tentative présumée de déstabilisation des institutions de la République. Mardi dernier, le procureur militaire, dans un communiqué, faisait état de l'interpellation de plusieurs militaires pour suspicion de préparation d'un coup d'État. Alors, on parle d'arrestation de militaires et de civils, Komi Mayaba. Expliquez-nous ce qui peut motiver cette tentative de coup d'État d'abord au Burkina Faso. Oui, ça s'explique parce que depuis un moment, vous avez vu qu'il y avait une insurrection qui était née. Hein, par rapport à l'intrusion, par rapport à l'avancée de choses des djihadistes au Burkina. On dit que si Kabore ne sait pas prendre ses responsabilités, eux, le peuple burkinabé, finira par prendre ses responsabilités pour finir avec eux. Surtout que Kabore avait fait de la lutte contre le terrorisme, son cheval de bataille. Il avait utilisé cet argument là de la campagne électorale. Voilà, de la campagne électorale. Pas son cheval de bataille, mais son fonds de campagne. Voilà, fond de campagne, j'allais dire. Donc, ici, aujourd'hui, ça fait que les gens ne voient plus les résultats. Et les gens ne voient plus les résultats, vont utiliser ceux qui sont au sommet de l'armée pour pouvoir changer la donne. Et souvenez-vous, on parle du lieutenant-colonel Zungrana, qui est une tête pleine. Si vous voyez dans son parcours, il semble que c'est un écrivain d'ailleurs. Il est diplômé de l'école de Paris. Et puis c'est quelqu'un qui a dirigé un commandement, un camp. Et il était le chef camp de choses. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Burkina était des prémices, parce qu'on avait déjà annoncé que si Kabore, son gouvernement, ne prend pas de responsabilités par rapport à l'avancée de ces djihadistes au Burkina, on risque de changer la donne. Donc, visiblement, au premier instant, on avait pris 8 militaires. Et ensuite, ils sont venus prendre encore, je crois, 7, ça ferait 15. Sur les 15, 3 ont été relâchés. Par rapport, suite aux auditions, 3 étant relâchés. Donc, actuellement, je crois que ces 13 personnes sont sous mandat, en fait. Ils sont inculpés, donc pas encore d'inculpables, parce que c'est des présumés. Donc ici, c'est que c'est le motif fondamental qu'on brade, qu'on est en train de mettre devant, c'est que le gouvernement ou le président Kabore n'est pas en train de répondre aux besoins réels, surtout sécuritaires au niveau du Burkina Faso. Et donc, c'est la trahison, même d'une été la trahison. Moi, je crois que cette tentative aurait abouti parce que. Oui, il paraît que c'est une personne qui est venue saboter le plan. Donc, aujourd'hui, je me dis c'est que toujours comme ça. Il a été. D'une été cette trahison, aujourd'hui, le cours aurait changé au niveau du Burkina Faso. Mais nous ne voulons pas arriver là, puisque ça va porter préjudice à beaucoup de situations, parce qu'aujourd'hui, on dirait que le coup d'État est légitimé ou peut-être est devenu monnaie courante dans les nations, dans la plupart des pays africains. Mais ce n'est pas ce qui est encourageant. Il faut quand même que ceux qui sont à la tête des États puissent quand même donner une vraie politique de gouvernance. Parce que ce qui amène des gens à des révoltes, ce qui amène à des gens à des coups d'État, c'est parfois... On sait que ceux qui sont là, voilà, c'est des frustrations. Ceux qui sont là ne sont pas là pour le peuple, mais sont là pour leur propre intérêt ou peut-être l'intérêt du partenaire. Quand je parle du partenaire, parce que nous avons vu que les partenaires sont multiformes. Donc, ça fait que
les gens se disent, mais si c'est ça, ça ne vaut pas la peine, c'est vous, c'est nous qui nous avons choisi, ce n'est pas bon, on peut changer quelqu'un. Alors, les gens oublient que pour changer un président, il faut des institutions, il faut quand même, il faut aller vers les normes. Les normes régulières, parce que quand on parle d'élections et que vous allez venir par un coup d'État, ça peut créer une situation catastrophique. Donc, nous sommes en train d'assister à une série de coups d'État et qui tentent même, à mon avis, qu'on tente de faire croire, puisque c'est une inspiration. Ça a commencé au Mali, c'est parti en Guinée-Conakry, et puis ça prend effet au niveau du Tchad aussi, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas rester éternellement dans ce élan de coups d'État, mais pour résoudre le problème de façon endogène, les gouvernants ou les pouvoirs doivent jouer leur partition pour que le peuple se retrouve en eux. Si vous voulez parler de l'Afrique, on doit ajouter aussi le Soudan. Alors, Constant Lémon, c'est aussi cela les conséquences des coups d'État. Hein. Quand vous ratez, vous allez en prison directement. Ah, oui. Maintenant, si ça réussit pour vous, c'est aussi des sanctions peut-être de la CEDEAO. Alors, comme il a dit, c'est devenu la mode. Hein. C'est presque devenu la mode, peut-être. Mais est-ce que ça répond à un besoin? C'est ce à quoi il faut réfléchir. À quel besoin répondrait un coup d'État au Burkina? Vous l'avez dit dans l'introduction. Le président Kabore avait fait de la lutte contre le djihadisme, son fond de campagne. Mais alors, finalement, son agenda de gouvernance ne contenait pas la lutte contre le djihadisme. Alors que les éléments des forces de l'ordre et de sécurité tombent chaque jour sous les coups des djihadistes. Finalement, qui est responsable de quoi? Le colonel qui est accusé, il est responsable d'une zone de lutte contre... d'une base de lutte contre les djihadistes. Mais qu'est-ce qui est mis à sa disposition pour combattre le terrorisme, les djihadistes? Reste à savoir, je n'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas longtemps, 50 gendarmes burkinabés sont tombés, abattus. Par combien de djihadistes? Une poignée. Affamés. Mais finalement, est-ce que ce que nous avons comme force de l'ordre et de défense, est-ce que c'est l'habit ou bien c'est la compétence? On se pose des questions. Est-ce qu'ils sont formés vraiment pour répondre aux besoins de la sécurité des pays? Et les moyens mis... Est-ce que les moyens sont mis à leur disposition pour répondre efficacement aux besoins du pays? Si ce n'est pas le cas, aucun chef d'une garnison ne peut prendre sur lui l'initiative de lancer un combat ou bien une stratégie ou mobiliser des ressources. Il n'en a pas si le pouvoir ne met pas les ressources à sa disposition. Le plus grand général de guerre ne peut rien contre un ennemi s'il n'a pas les armes efficaces, si les éléments dont il dispose ne sont pas bien entraînés pour répondre aux besoins de combat. Alors, vous venez de le dire, l'accusé principal n'est pas un moins que rien. Ce n'est pas seulement qu'il est un militaire, mais c'est une tête pas bien pleine, mais une tête bien faite. C'est une tête bien faite. Et c'est le cas dans l'ensemble des armées. Aujourd'hui, les militaires ne sont pas des gens à qui on a arraché la machette ou la roue et qu'on a habillé. Non, c'est des intellectuels. Prenez l'ensemble des officiers, les officiers supérieurs, c'est des intellectuels. Ils n'ont rien à envier au cadre de l'administration publique. C'est de hauts administrateurs, des économistes. Ils sont bardés de diplômes et ils savent gérer. Alors, ils sont avant tout des citoyens. Ils sont avant tout des citoyens de leur pays. Est-ce parce qu'ils portent l'habit militaire, l'uniforme kaki, qui leur est interdit d'initier quoi que ce soit, même si le pays tombe dans l'abîme? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais en cas de menace, à supposer que le Togo soit en guerre, est-ce qu'il est interdit aux civils de porter des armes et défendre le pays? Non. Pourquoi est-ce que
Ta réponse est juste. Les civils sont mobilisés en temps de guerre. Pourquoi est-ce que lorsque le pays est mal géré, lorsque le pays fonce tout droit dans le mur, il est interdit aux hommes en uniforme d'intervenir pour sauver la situation? C'est la question que je me pose personnellement. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres se posent cette question. Est-ce que l'atmosphère politique de la zone CEDEAO, dans la zone Sahel, ne répond pas favorablement à cette tentative de coup d'État? Vous avez vu la révolte des jeunes lorsque le convoi militaire français est parti de la Côte d'Ivoire vers le Niger. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on ne savait pas? Tout était bien su. Et surtout, les dernières décisions de sanctionner le Mali avec des mesures draconiennes. Donc pour vous, ça justifie cette tentative de coup d'État? Ça justifie. Lorsque vous gérez le pays de façon à révolter les citoyens, ne soyez pas surpris qu'il y ait des manifestations de contestation ou qu'il y ait des tentatives de coup d'État. Parce que de toute façon, il faut sauver le pays. Il faut sortir le pays des griffes de ceux qui l'exploitent et dont l'exploitation ne profite pas au pays. C'est qui le djihadiste? Qui le recrute? Qui l'entraîne? Qui l'équipe? Quel est son objectif? Mais alors, est-il interdit de le combattre? Et pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Alors, Horis Donkovi, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dit un jour en off, qu'on risque d'assister à des tentatives de coup d'État au Burkina Faso. Oh, c'était même pas en off, c'était sur ce plateau. Ah oui. Et je disais justement que non, que ce qui pour Burkina, c'est effectivement une tentative de coup d'État. Mmh. Parce que, alors, si vous voulez, lorsque vous êtes chef d'État, vous avez, à mon sens, deux types de choix. Alors, ou soit vous avez la capacité de vous porter à l'avant et de prendre les choses en main. Par exemple, je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a eu les attaques contre le gouvernement éthiopien et qu'on a assisté à une... On a vu le premier ministre Abiy Ahmed. Le premier ministre au front. Se lever, aller en termes de carrure. C'est pas le maire. Il est parti au front. Parce qu'il y a un message subliminal adressé aux populations qui, à un moment, sont chez elles et voient leurs responsables aller au-devant du combat. Ce qui est un effet mobilisateur. Vous avez vu dans les années 60, même si on peut parler d'exemples décriés, on peut prendre l'exemple du président Mobutu, qui à un moment va devant, va au front. Même si on sait que ce n'est pas le meilleur des stratèges en termes de combat, on montre tout l'attirail médiatique, un président qui est au front avec ses troupes. Bon. Vous avez vu on parle de front, mais ce n'est pas le vrai front, voilà, peut-être. Vous voyez, le cas de Déby, c'est à peu près la même chose. Ouais, le message subliminal. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Il y a cela. Ou soit, vous avez la capacité d'employer les hommes qu'il faut pour pouvoir gérer le problème. Un chef d'État, ce n'est pas quelqu'un qui a tous les diplômes du monde. C'est quelqu'un qui est avisé de façon à choisir les personnes qu'il faut pour résoudre tel ou tel problème. Donc je pense que le problème du président Kabore, c'est que il y a des chefs d'État qui sont parfois efficaces quand il s'agit d'un certain type de situation. Et il y a d'autres chefs d'État qui sont efficaces quand il s'agit d'un autre type de... Ce n'est pas tous les chefs d'État qui sont efficients quand, par exemple, il s'agit de protection de la nation. Par exemple, même dans le cas de grands pays comme, je peux donner le cas de la France, sur lequel on se rattache beaucoup, à un moment, on a rappelé le général de Gaulle. En 58, on a rappelé le général de Gaulle tout simplement parce qu'il y avait le problème algérien, il y avait le problème de la stratégie française par rapport à ses colonies, il faut sécuriser les approvisionnements et ainsi de suite. En 45, lorsque le gouvernement s'écroule, c'est un militaire qui se lève et qui dit « mais pas question que le pays s'écroule, il faut qu'on se mobilise derrière. Oui. » C'est lui qui rassemble pour la résistance et qui permet la reconquête de la France. Sinon, on ne parle jamais de la France libre qui a existé en ce moment-là et qui était la France de Vichy sous Pétain. C'est tout simplement pour dire que
Le problème du président Kabore, c'est le fait de ne pas avoir montré à sa population qu'il est à même de gérer cette crise-là efficacement. On a eu énormément de remaniements. On a eu le gros scandale qui est celui des troupes qui ont du mal à être ravitaillées. Des gens qui se font massacrer, même ne serait-ce que pour les honneurs remis à ces militaires. Ça a été décrié, la mobilisation des populations, l'organisation des groupes de défense, d'autodéfense, le fait de pouvoir fédérer les populations, les groupes civiques autour du combat. Il y a eu énormément de manquements. Maintenant, le problème du Burkina, c'est que lorsque on a connu le renversement de Blaise Compaoré, on a connu toute la période de transition que l'on connaît, on a les essoufflements économiques que l'on connaît, on a tout le débat autour de la gouvernance que l'on connaît, et que maintenant on a un président qui est élu comme celui de Kabore, le choc d'une nouvelle déstabilisation orchestrée par un coup d'État peut en tout cas secouer le Burkina durablement. C'est pour ça que je disais, le président Kabore devrait vraiment avoir la sagesse de trouver les hommes qu'il faut, ou du moins de trouver la solution qu'il faut pour régler le problème sécuritaire et le problème de gestion du Burkina. Mmh. Sinon, il y a eu certains coups d'État qu'il a réussi à éviter, mais cela ne signifie pas, on a vu le cas avec Rawlings. Ouais. Rawlings a fait un coup d'État, il a été arrêté, on l'a mis au tribunal. Mmh. Et l'effet escompté a été l'inverse. Mmh. On l'a amené au tribunal, on lui a donné une tribune pour pouvoir s'exprimer. On était censé l'humilier. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. On lui a servi une tribune qui lui a permis de revenir au pouvoir après. Donc il faut faire très attention, parce qu'actuellement, le problème de M. Kabore, c'est que au niveau du Burkina, il déçoit beaucoup de gens. Ouais, qui, Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite du débat.